Ce dont on parle à l'heure actuelle, c'est un accord sur un budget pour financer le gouvernement jusqu'à mi-janvier. Le plafond de la dette serait relevé jusqu'à mi-février. Mais les deux parties n'ont pas réussi à s'entendre sur les questions fondamentales. Ils ne sont pas d'accord sur la façon de résoudre les problèmes massifs auxquels les États-Unis doivent faire face. La dernière fois que nous avons réussi à faire passer un budget entier par la Chambre puis le Sénat avant signature par le président, c'était en 1993. La plupart des sondages indiquent que ce sont les Républicains qui sont mis en cause pour cette crise budgétaire. Mais le sentiment général, c'est que les Américains voudraient pouvoir se débarrasser de toute la classe politique dans son ensemble.